À l'Afghanistan, les Ukrainiens, eux, ont une formation de pilote de char, de pilote d'avion, sont beaucoup ont des compétences militaires meilleures que les deux armées que je viens de citer, en plus. Et là, je me suis fait bolosser. Et on en est à moi, c'est de la diffamation. Et il va falloir arrêter. Vous avez le droit d'être catholique et français, mais vous n'avez pas le droit de diffamer les gens. Même voire de tenir des propos homophobes. Et je suis allée voir, et j'en ai trouvé. Des mecs de Chirac ou soit chevènement de Jospin. Mais je pensais que c'est plutôt Robert Debré. Une tête de con pour faire ça. Lui. C'est que, en fait, elle est née au Togo. Donc, elle doit faire des papiers français à 18 ans. Elle a vécu toute sa vie en France. Donc, elle est française. Non, je sais même plus. Enfin, c'est un des deux. Voilà. Et je me souviens qu'on avait refusé tous. À l'hôpital de donner les dossiers, de dénoncer. Ah, on s'en est toujours servi. Quand tu es 1984, t'as une part de nationalisme dans l'histoire, 1984, si tu le lis. Non, j'ai utilisé un filtre pour cette vidéo. Mais ma vraie voix, c'est celle que tu entends là. Tu me chies de bêche, elle. Citer Brel aussi. On sort de son trou pour mourir à la guerre. D'inclinaison. C'est un principe newtonien. Donc les filles à quatre pattes, vous avez un plus gros cul, mais en fait non. C'est juste une histoire d'inclinaison de masse. Voilà. La prochaine fois, vous y penserez qu'on vous ferait une levrette. On va un chou. Elle a une longère en emmerdée sur moi. Un petit manoir à Trouville. Petit rien. Là là, c'est vraiment la représentante du peuple. Une maison à Saint-Cloud, un appartement à Paris et une maison en Normandie. Alors Marine Le Pen et ses sbires nous annoncent encore, ils nous parlent encore de l'histoire de l'immigration. Comme quoi. Il y aurait une immigration qui profiterait des aides sociales. Alors non, l'immigration ne profite pas des aides sociales, puisque pour toucher les aides sociales en France, j'ai fait cette promesse. Je ne peux pas la rompre. Parce que j'aime mes fils. Donc je vais devoir voter Macron. Pour les protéger. Pour eux. Par rapport à d'autres. Voilà, donc ça a toujours existé. Donc la cité-État, l'État-nation, oui, tout à fait. Mais ça a toujours existé en fait. Faut pas qu'on les voie de trop loin. C'est juste les arrestations. Bonne journée. Ce sont des pédophiles. C'est de la diffamation et c'est de l'homophobie, tout à fait. C'est condamné par le droit français. Et il y en a plein d'autres comme ça. Donc, commencez pas à me prendre pour un imbécile. Je connais le droit. Ça n'a aucun sens cette phrase. Heureusement qu'ils n'ont pas le droit. Pourquoi ils n'ont pas le droit? Ils ont fait quoi? Faire en sorte de changer, d'améliorer, de révolutionner. Mais ce sera vous à la fin. Face à Chirac, bon, déjà, c'est pas un truc récent dans leur tête. Et à première vue, ça inverserait les rapports. C'est-à-dire que c'est à vous de prouver que la police n'était pas en état légitime défense. Voilà, à première vue, ça serait ça. Ça pourrait même peut-être aller encore plus loin, une version comme aux États-Unis, c'est-à-dire prouver que votre cas à vous. Oui, c'est ça le problème des trolls. Tant qu'on ne les fusille pas comme des enfants, bah, ils...